Bah ouais, je m'attendais pas. Probable. En fait, c'est surtout que Armand, il a trop bien joué, il était safe tous les rounds, quoi. Oui, j'ai bien joué. C'est autre chose qui a commencé. Merci beaucoup, qui Happy commence. Blondie, pour ton prime. Bienvenue dans ton deuxième mois, merci beaucoup. Ah, j'ai envie de le tenter, mais... Wow. Comme les crêpes, mec. Oh, les crêpes, waouh! Non, mais non, c'était pas si C'est du drôle que monstre. ça, genre. Des mesures, quoi, Merci, merci les soutiens. Le rire de Oh, soutien, pas de honte. il était si sincère en plus, c'est grave! Non, non, mais, non, mais oh, le pire, c'est. Non, mais j'ai vraiment rigolé, mais ça m'a fait rire. Hein. Merci, mais, franchement, Nero, adorable, t'es adorable. J'ai pas fake, hein. Elle simule un rire pour que je ne pleure pas, titre de la VOD. Il est pas là! Elle est morte sur le scanner ou pas? Excusez-moi de parler du jeu. Hein. Oui, ferme ta gueule. Elle est morte proche du scanner, en effet. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai fait Weapons au début. Après, comme il y a eu les lives, je suis remonté pour aller voir Vitals. Je vois que Billy est morte. Je vais voir Scan et elle était là. Donc vraiment, j'ai rien, zéro timing. Et j'ai vu personne dans le labo. Donc le vide. J'ai juste vu qu'il y avait quelqu'un sur cam. Oui, c'est C'était moi avant. Nero et Harry, ouais. Et Nero. Attends, c'est un gros cul de dégen. Ou l'inverse. Ouais. Là, je finis avec Luna dans Chaufferie. J'ai beaucoup de questions. Juste avant, j'ai vu Fukano qui sortait de O2 et qui est parti dans Communication. Oui, je confirme. Voilà. Dans Coms? Non, j'ai pas mis les pieds dans Coms. Bah si, t'as mis les pieds dans Coms et moi je me suis cassé. On a fait le chemin ensemble vers Coms, puis après j'ai eu une peur que dans tu me casses. Coms, je pense. Je sais plus. En tout cas, là, je suis au câble à office. S'il vous plaît, je peux. C'est vrai. Arrêt. Ouais, puis il peut parler Mister JD, enfin bref. Arrêt, quand on s'est croisé sur les Vitals, ça a été déjà mort ou pas? J'ai pas check les vitals, je suis désolé, okay. J'ai fake check. Deuxième question, Armand, est-ce que tu as eu besoin d'aller en direction du scanner pour avoir le bouton report? La question n'est pas du bon. Ton point. Non mais c'est une bonne question, j'ai pas fait attention. Parce que... Ok, troisième question, non, qui non, est sorti du SAS Specimen Admin? C'est moi, j'ai rush Specimen, Billy était sur le scanner, quand je suis rentré dans le SAS duo, Arrêt était au niveau des vitals, je suis parti dans Specimen, et c'est pour ça que j'ai dit au début du meeting, est-ce qu'elle est morte sur le scan? Parce que je me suis dit qu'elle était morte derrière moi du coup. Si t'as eu le temps de faire, quel Specimen et ressortir en bas? Ah je suis même Weapons là. Ah oui mais il a 30 secondes, enfin 40 secondes même le kill du coup. Bah il est vieux du coup, ouais, parce qu'elle était sur le scan, il me semble, au moment où je prends le SAS duo. Et encore une fois, Arrêt était dans le lab à ce moment-là. Julien, pour te répondre, pour ma position sur la carte, je pense que c'est possible de la voir si tu coupes pas, tu sais, genre pour aller dans le spécimen. Genre, tu sais, quand on coupe, on ne verrait pas trop, mais si tu vas un peu vers la droite. En gros, il y a que deux suspects sur ce kill, ils sont dans la colonne de gauche et c'est pas Mister JD. Cano, il est à gauche. Cassor, il est safe, il a rien dit. Le problème, c'est que c'est pas moi et Nema qui se prend de vote, je pense que c'est pas lui. Ouais, DFG arrivera quand il arrivera, en vrai. Je pensais que j'étais Armand. T'es pas mute, t'es pas mute. Pardon.
Un deuxième self-report, je suis vraiment trop fort. Il est fort. Mec, couchy, ton passing n'existe pas, mon ref, mais fais attention. Comment ça, mon ref? Bah, comment ça, mon ref? Bon, bref. Non, mais je sais pas, bizarre. Oui, non, mais écoute, je peux te dire ce que je fais. Hein, c'est que je fais deux tâches et je retourne au labo pour check Vitals à chaque fois. Donc... petit take, est-ce qu'il est mort dropship ou storage? Storage. Ok, parce qu'il y avait deux points qui semblaient. Enfin, Oh là là, le. Si jamais Castor, je rappelle, Castor, peut-être en que t'étais pas au courant, tu vois pas les points des morts sur admin. Mais ah ouais, si, t'as corrigé, Brubri, non? Non. Tu vois pas les. Attends. Normalement, quand c'est des corps, normalement tu vois pas les points des morts sur admin. Ok, d'accord. T'as pas corrigé le mot de passe? Non. Ah, mais ça veut dire qu'il a vu le kill en direct? Mais c'est ouais, pas, bah, c'est bah, pas du l'inverse. Coup, ça veut dire qu'il y avait une personne vivante à. Quand je check, il y avait une personne en tout cas vivante à ce moment-là, storage et à dropship du coup. C'est pas quand on joue avec le jeu normal qu'on voit pas les corps, genre la mise à jour, mais là on joue avec une ancienne version. Non, c'est la nouvelle. On est sur la nouvelle là. Okay, donc, ouais. Du coup, on est d'accord, du coup, les corps n'apparaissent plus sur admin, c'est ça? Ah, en tout cas, là, le problème, c'est que... C'est plus fort pour les impôts. Moi, je suis sur la table d'admin actuellement et j'ai vu 0 puis 1, donc effectivement, à point que ce soit un kill report à l'instant, je pense que... Enfin, même si... Non, c'est même pas possible. Je vois 0 puis 1 storage, donc on les voit forcément pas, les corps, sauf si Armand déplace le corps. En fait, le truc, c'est que je sais pas si les portes se sont fermées sur toute la map, mais moi, la porte de storage est fermée devant moi et je l'ai ouverte pour checker à l'intérieur, donc... D'accord. Moi, il y avait beaucoup pas de fermés, portes fermées dans cette game. La boue était fermée, si je dis pas de conneries. Ouais. Ça peut être plein de gens pour moi. Ça peut être Nema, Harry Willia, même Kassor, en fait. Il pourrait juste raconter de la d'accord merde. Avec le fait que ça peut être Harry Willia. Ça peut être moi, aussi. En fait, on fait weapons à 3 avec JD Nema. Les lights tombent, ils partent avant moi, je le sais. Et moi, je pars vers O2. Et je vois Nema qui revient d'Elec quand je remonte de O2. Du coup, Nema est manifestement passé en range de storage. Oui. Ah, oubliez pas parce qu'elle est trop forte. Hein, oubliez pas que sur le T1, le kill est probablement assez tôt et que tous les gens à gauche de la map sont safe. Et que, ouais, ok, c'est bon. C'est quoi qui manque roommate et Arewilia, il va falloir voter Arewilia très vite. Hein. Ouais. Oh, j'ai très vite. Je skip, mais j'ai un gros doute sur Nema quand même. Mais je skip. Ça bouge, et quand ça bouge, ça crée de l'émulsion démocratique. C'est très bien. Cette couleur. Ah. Hein? C'était pas un self report. Non. Et oui, c'est le. Non, c'est pas un self. Sushi Pérez. Il est aux chiottes? Il est aux toilettes? Non, en fait, il est au scanner. Et en fait, je suis rentré labo avec JD, Armand, et il y avait une autre personne. Bri. Ok, Bri. Et les lights se sont éteintes. Donc j'ai fait mes quêtes labo. Et là, je vais dans Vitals et je vois que Armand est mort. Donc je check le scan parce que je sais qu'il était parti vers là-bas. Et au moment où je check le scan, bah, je vois quelqu'un sortir de spécimen et c'est Bri-Bri. C'est Bri-Bri, oui. Donc, à moins que c'est un timing ou alors c'est JD, mais je sais pas, en tout cas, c'est un de vous deux, c'est sûr. Je t'explique ce qui s'est passé. Je rentre dans le sas pour faire mon fil, les lumières se coupent, je reste dans le sas parce que j'ai pas envie qu'on me tue, si je sors du labo, enfin dans le labo. Les lumières se rallument, je sors du sas et je te croise à ce moment-là. Et tu croises à. Est-ce qu'on a juste, aussi, juste est-ce qu'on a un timing? Pas de l'arrêt. Parce qu'Arrêt, elle vient spécimen. C'est très très récent. Je suis pas allé dans spécimen, je suis resté dans le sas. Yuna, moi je pense exactement l'inverse de toi, à savoir qu'entre toi, Bri-Bri et moi, aucun des trois n'a fait le kill. Et moi je suis parti très très tôt dès qu'il y a eu les lights et là je croise Nema qui sort d'Electrical. Nema vient de rentrer dans l'abo. C'est qui vient de me passer dessus, Valet de la Mort, il y a genre 2 secondes? C'est moi. Ok. Quoi?
Non, mais juste, vas-y, les trois là, Nero et Cassor qui sont. Vas-y, juste votez Array qui veut me faire sortir depuis le T1 et qu'a tué Billy au lab T1. Scanner aussi, non? Tu es délu plus désespéré, genre. Mais Matt, tu penses. Ça fait deux rounds que tu veux me faire sortir. Tu penses que si on vote Array ou Ilya, c'est pas toi qui va sortir? En fait, le truc, j'ai peur que ça pêche sur toi. J'explique, c'est que le truc, c'est que là, Yuna, je verrais pas trop l'intérêt. Dans ce cas-là, mais je verrais pas trop. Yuna et crew. En fait, voilà. En fait, je pense aussi que Yuna et crew et qu'elle a pas d'intérêt de report à ce moment-là et elle a skip sur le truc d'avant où Nema s'est pris 4 votes. J'ai skip aussi et je trouve que c'est vraiment beaucoup. Et bah, skipper à 7 si vous êtes crew, voilà. Je trouve que c'est. Sinon, je vais sortir. Je pense vraiment que pour moi, Nema est forcément crewmate. En se prenant 4 votes, alors que Yuna, moi, Brimbri, on a skip. Oh non, non! Très sincèrement, Nema, ils sont mecs qui viennent de voter. Pourquoi j'ai skip? Putain, j'aurais dû la tête. C'est honteux, tu m'as voté, mec. Oh, je pense que c'est self. Merci, hein, parce que je pense qu'on allait voter pour ça. Je pense qu'Aré, c'est self. Mais les deux, non mais s'il vous... Non mais Yuna. Tu m'as donné la phrase ultime. Parce que depuis tout à l'heure, tu es comme en mode tu n'as pas fini ta quête. À un moment donné, il faudrait la finir. Et à chaque fois, tu viens comme... C'est faux. Yuna. Laisse-moi répondre. Je suis venu une fois comme pendant que tu faisais ton upload pour faire mon vaisseau. Au round d'après, j'ai fait le download aux deux et là, je viens donc faire mon upload. C'est la deuxième fois seulement dans la game que je viens comme. J'ai fait le vaisseau tout à l'heure, l'upload à l'instant, que j'ai pas fini d'ailleurs. Je ne suis accusé ni suspect sur absolument aucun kill. Il y a uniquement Array qui push sur moi à tous les rounds. J'ai beaucoup trop de votes. Pour ne pas être crewmate, ce que ça veut dire que j'ai forcément les deux votes des impôts. Et là, comme par hasard, j'insiste et JD me défend sur le fait que je suis crewmate, je n'ai plus que deux votes, les deux impôts. C'est juste, cette game depuis le round 1, Nema, imaginons qu'on soit tous les deux crewmate et que quand tu fais un call sur moi, les deux impôts qui te votaient à chaque fois me votent instant. Imaginez que c'est tous les deux impôts. J'ai call de skip, donc les impôts, ils seraient complètement cons de faire ça. Voilà, je pense. En fait, c'est bizarre que je prenne deux votes et que ce soit pas toi qui me vote, tu vois. Moi, je pense, Array, je pense que tu t'es seul vote. Non, laisse-moi tranquille. Non, mais. Laissez-moi vivre. Je peux pas tanker ça, genre, je peux pas être responsable de tous les mots. Je dis, ok, en vrai, c'est très smart. Je peux pas être responsable de tout. Ah, c'est là. C'est seul vote en étant impôt, en essayant de toucher un gars. Mec, je vais me jeter hors du lobby. Je vais me déloger. Nema et JD croient que c'est un big brain. Et Yuna croit que c'est un big brain. Je crois rien du tout. Moi j'ai pas accusé. J'ai call de skip, Cassor. C'est juste qu'elle push. Elle push sur moi depuis le T1 alors qu'elle est pas loin de tous les kills. Non mais faut. Elle hard push sur moi alors que je ne suis absolument pas suspect et qu'il y a zéro argument. Faites vos tasques, pitié. C'est très grave. C'est les deux. Écoutez, je vais faire un vote méta, mais je ne dis pas ce que c'est la méta. Mais je vais faire un vote méta. Ah, mais je vais sortir si tu sais ce que c'est. Le vote méta, c'est Yuna. Mais ouais, putain, t'es un troller. Mais oui, mais tu monopolises la parole pendant le vocal, mon cher Nema. Et je monopolise la parole parce que je suis putain d'accusé alors que je suis crewmate parce que vous êtes con. Ah ouais. Ça va, Nema? Oh. Ah ben je suis loin, hein. Je sais même pas où il est le frérot. Ah, bravo mon pote, hein, j'ai envie de te dire. C'est tellement dramatique votre niveau. En fait, j'ai pas compris comment vous avez au tour 1, pourquoi personne a parlé à Cass, genre il a pas parlé du rang. Non, c'est pas lui, c'est moi. Ouais. Non, pour le coup, round 1, j'étais safe. Mais après, tellement, les autres, pas du tout. Tellement je sais gênant. Pas, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai cru le truc d'Ancom, ça m'avait fait peur. Vraiment. Je me souviens deux fois. Il y a deux quêtes d'Ancom, je suis venu deux fois. C'était le truc de trop, ça m'a fait peur. Ouais, le truc de trop, c'était le seul cycle.
Bah bravo, comment ça peut être le truc, comment ça peut être le truc de trop si c'est le seul truc. J'ai jamais compris pourquoi Nema était saucé. Le problème, c'est que je comprends pas ce qui est arrivé à l'argument de Yuna de le kill au scanner sur Amatra Armand, c'est forcément Bribri ou Mister JD. Ça a été oublié. Ouais, mais moi j'avais dit, pour moi c'est JD Nema, mais... Bon, Nema, je me suis trompé apparemment. Mais... ah, oui, aussi, mais non, mais ça me permet une petite revanche sur la semaine dernière. Yuna, tu es la pire crewmate. Oui, oh, c'est vrai, tu as le droit de le dire. Ah non, mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Elle me l'a dit, la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai hint, elle m'a dit tu es le pire crewmate qui existe. Non, mais là, c'est moi, c'est moi, c'est mérité. Franchement. Et titre de la vidéo. Je t'écoute, vas-y. Je pense que c'est la pire game que j'ai win en vrai en impôt. Hein. Vraiment, il y avait rien. C'est grave, hein. Mais moi, ça m'a. Franchement, j'étais frustré quand t'as mis le réacteur et tout. Je voulais continuer à jouer en mode ah, c'est ouais, bon, on a sorti un impôt et tout. Tu vois, vraiment.